Dans l'épisode précédent, le championnat R1 a débuté cette semaine avec un match face à Béthune. Les choses sérieuses commencent dès maintenant. On domine ces 15 premières minutes et on finit par ouvrir le score grâce à Hicham, 1-0 pour nous. Mais on subit tout le reste de la première mi-temps. Janès but. Oh, c'est pas vrai! On rentre au vestiaire toujours sur le score de 1-0 et le coach nous met en garde pour cette seconde période. Il nous a dit de vite se remettre là-dedans. Paradoxalement, on monopolise le ballon et une fois de plus, on marque encore grâce à un exploit individuel de Lucas, 2-0. Béthune essaye tant bien que mal à revenir au score, mais c'est à la 90e minute qu'il marque le but du 2-1. C'est déjà trop tard pour Béthune et nous entamons ce début de championnat par une très belle victoire 2-1 qui fait du bien. Concentrons-nous maintenant sur le troisième tour de Coupe de France face à une Détroit, celle de Neuville-Saint-Rémy. Et même avec 5 divisions d'écart, ce n'est pas un match à prendre à la légère car ils vont nous sortir le grand jeu face à nous. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG, très enthousiaste pour le moment. Suite au premier match de championnat qu'on a gagné face à Béthune, où l'équipe a tous très bien joué, on a tous fait un superbe match et on est tous contents de cette victoire, donc très enthousiaste de la part de tout le monde. Et pour ma part, moi j'ai été élu dans l'équipe de la semaine avec Lucas, donc c'est très 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 gratifiant, surtout en ce moment après ce qui s'est passé ces précédentes semaines où j'ai été critiqué par rapport aux boulettes et tout. Donc très 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 content. Mais là il va falloir remettre la tête à l'endroit et garder les pieds sur terre car on va jouer ce week-end un match de coupe. Et les matchs de coupe, des fois, ça ne pardonne pas. Même si on joue contre une équipe de 5 divisions en dessous de nous, faut pas la prendre à la légère. Faut rester sérieux cette semaine-là. Faut pas se relâcher. Et voilà, hein. Sur ce soir, entraînement. Donc voilà. Hey les gars, ici, dans l'équipe, il y a un joueur. Il veut pas être un mouton, il veut pas être comme tous les autres. Regardez sa paire de crampons. Pa, les Mizuno. Il veut pas faire comme tout le monde, hein. Pa, David, hein. Toi, tu veux pas être comme tout le monde à porter des Adidas ou des Nike. Mizuno. Pa, la. Hey, en vrai, de vrai, elles sont pas si nulles que ça. Ça claque, hein. Ça claque, hein. Hein. De sortir du carré, bravo, c'est parti. Vous n'avez pas de gardien titré, deux touches. Ballon Diawed en même temps.
pensant être entre les deux. Sauf qu'au final, là où ça joue, ça se décide, on le voit. On est dimanche et c'est le troisième tour de Coupe de France. On joue contre une Détroit, celle de Neuville-Saint-Rémy, une ville que je ne connais pas du tout, un club que je ne connais pas du tout. Mais faudra pas prendre ce match à la légère. Parce que même s'il y a 5 divisions d'écart, et ben, ces joueurs en face ils ont peut-être joué leur match de leur vie. Techniquement, normalement, vu qu'on est une R1, on doit être au-dessus. Il y a même un groupe de supporters qui vont être présents. Je pense que c'est le moment de confirmer à l'extérieur, c'est pas des matchs faciles. Dalil, je demande d'aller cadrer. Donc, faudra aller respecter. Faudra jouer notre match à fond, ne pas tomber dans la suffisance. Et voilà, le plus important, c'est la qualification. Accéder au quatrième tour pour aussi avoir les maillots. Après, faut pas les prendre à la légère, parce qu'au niveau de l'envie, c'est un match de Coupe de France. Et... donc il faudra jouer le match à fond. Et voilà. Il va falloir mettre de la pression, du jeu et pas se réduire inconsciemment à leur niveau de jeu. Ouais, il y avait une très belle ambiance. Hein. Ça nous a donné envie, ça a poussé leur équipe. Et ça nous a fait plaisir de jouer dans ce stade, surtout avec de nombreux supporters comme ça. We'll be right back.
j'avais un joueur qui me suivait beaucoup. Du coup, j'ai fait un appel contre appel. Elle revient vers moi. Après, ensuite, il y a un joueur en face de moi. Je l'élimine et après, je me retrouve face au but. J'étais content. Parce que de part pour moi, parce que sur mes stats personnels, j'ai mis un but. Puis aussi, ça libère l'équipe aussi d'un poids. On a eu du mal en fait en première mi-temps parce que nous on s'est précipité, on voulait marquer. On nous disait qu'on devait se réveiller, on doit revenir à la mi-temps avec déjà plus de buts et plus d'envie et plus de possession surtout.
mène, on la mène. À ce moment-là, il reste 5-10 minutes avant la fin du match et on a beaucoup d'occasions, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Ça risque d'être un match piège parce qu'il suffit qu'on rate toutes nos occasions et qu'eux, ils en aient qu'une seule et qu'ils la mettent au fond. Donc il faut être très concentré, très vigilant sur tous les matchs de Coupe de France, ça pardonne pas. Moi je savais qu'il fallait que je sois très concentré, il ne faut surtout pas se prendre de but. On est tous frustrés d'avoir gagné seulement entre guillemets 1-0 contre une équipe qui a 5 divisions en dessous de nous, mais ils nous ont agréablement surpris. On a surtout subi les actions offensives de l'équipe adverse et après offensivement on n'a pas fait ce qu'il fallait pour mettre les buts. Ils ont très bien joué, ils ont joué avec de bonnes valeurs et ils ont été tous vaillants les adversaires, donc félicitations à eux. Faut se remettre au boulot. Trop peu de choses pour en tirer des conclusions d'un point de vue individuel. On va retenir que la victoire. Normalement, on doit finir avec beaucoup plus de buts. Et puis déjà une meilleure estime de nous sur ce match déjà. Et surtout félicitations aux supporters adverses parce qu'ils nous ont bien surpris. Ils ont bien mis l'ambiance. Grâce à ces supporters, ce match a été très plaisant à jouer. Donc c'est cool, ça fait un bon souvenir, un petit clin d'œil au cerveau bleu. J'en profite également pour dire un grand merci au staff de Neuville pour leur accueil, leur amabilité et leur fair play pendant le match. Tout s'est bien passé et surtout un grand merci aux supporters du COP de Neuville qui se nomme Cerveau Bleu, qui nous ont régalé pendant le match. Une grosse ambiance de mise malgré leur équipe qui n'arrivait pas à avoir de grosses occasions. Des chants, de l'ambiance et surtout du respect, des chambrages dans la bonne humeur et la bienveillance, on ne peut rien demander de plus. Un grand bravo à vous tous, vous avez été géniaux et je vous souhaite le meilleur pour cette saison 2023-2024. Très bonne ambiance, on salue le public de Neuville-Saint-Rémy pour cette très très grosse ambiance et on leur souhaite une très bonne saison. Continuez comme ça les gars parce que vous nous avez régalés.